Ça, je ne savais rien, j'étais loin d'imaginer qu'il se passerait tout ça,
Et ce soir, je suis passé par toutes les émotions, mais vraiment. Donc du coup, bien évidemment, si vous n'avez pas lu les scans, si vous n'êtes pas à jour sur les scans, je vais spoiler un petit peu, pas grand-chose, mais je vais spoiler un petit peu, donc allez-vous-en. Si vous n'avez pas lu les scans, si vous n'êtes pas à jour sur les scans, bon, de toute façon, si vous n'êtes pas à jour sur les scans, je pense que vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo. Mais je suis passé par tellement d'émotions, il y a un moment qui m'a vraiment... Peut-être que vous, ça vous a rien fait, très probablement, si vous avez lu ça, mais le moment où Gabi retire le brassard de Falco. Pourtant, c'est... Voilà, c'est... Moi, je suis peut-être trop dans la symbolique, mais j'ai... Franchement, j'ai eu énormément d'émotions qui sont remontées à ce moment-là, parce que ça représente tellement de choses comme geste, d'autant plus quand on connaît les deux personnages. Ça représente tellement de choses, je trouvais ça juste dingue. Il y a eu tellement de moments comme ça où j'ai juste bondi. Je pense notamment à Eren qui se prend la balle dans la tête par Gabi. Mais pareil, mais j'ai pété un plomb. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Moi, du coup, je le pensais évidemment mort. Enfin, ce qui est presque le cas quand on y repense finalement. Et j'ai trouvé ça, mais tellement dingue, c'est tellement fou, c'est tellement. J'aurais même pas. Comme je vous dis, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails, je suis purement dans l'émotion, dans l'émotion. Et en plus, alors oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu, mais j'ai mis les compilations d'OST quand j'ai lu. Donc je vous conseille la chaîne de Samuel Kim, qui est un compositeur sur Internet. Excellent. Et donc j'ai écouté les OST, j'ai mis des grosses compilations de 2 heures d'OST et bam, je me suis mis dans l'ambiance, ça correspondait parfaitement, c'était incroyable. Vraiment, c'était. Je regrette tellement pas parce que j'avais cette peur aussi de me dire voilà, je regrette cette décision parce que moi je suis animé only. Et puis bah voilà, quand tu regardes l'animé, moi ce que j'aime bien c'est que t'as l'animation, t'as les seiyuu, t'as toute l'émotion que peut dégager le doubleur, t'as les musiques, etc. Je suis le premier à défendre ce format-là. Mais là, je regrette rien parce que SNK, ce qui compte le plus, et c'est ça qui est trop fort, ce qui compte le plus, c'est vraiment pas le format finalement, c'est vraiment le scénario, l'histoire, les personnages, l'œuvre en elle-même. Et en plus, bordel, Isayama, je savais pas, mais il s'est amélioré, mais c'est un truc de fou furieux, voilà. Moi, j'ai assez peu envie de m'attarder sur le superficiel parce que c'est vraiment pas ça qui m'a marqué ce soir. Mais si je dois m'attarder un petit peu là-dessus, Isayama, il a progressé, mais c'est même pas progressé, c'est est-ce que c'est vraiment lui qui dessine à ce compte-là? Parce que sincèrement, c'est magnifique. Enfin, il y a des plans. Je veux dire, c'est quand même pas évident de faire ressentir le gigantisme à travers une œuvre, notamment à travers un manga. Là, le gigantisme est incroyable. Enfin, là, franchement, tu comprends à peu près tout ce qui se passe. Pareil, émotion des personnages parfaitement retranscrites. Enfin, sont vraiment super bien foutues. Là, vraiment, Isayama, mais alors là, je tire mon chapeau. Quand tu regardes le tome 1 et les dessins qu'il pouvait y avoir, et quand tu regardes les tomes de maintenant, enfin, ce qui est sorti là, à la fin de son œuvre, il s'est vraiment amélioré. C'est vraiment fou, pour le coup, c'est vraiment, vraiment fou. Mais voilà, c'est pas vraiment là-dessus que j'ai envie de m'attarder. En termes d'histoire, de scénario, c'est tellement bien ficelé. Et puis, comment dire, ça se termine. Enfin, c'est pas terminé, il reste un chapitre, mais. Ça se conclut d'une manière qui est à la fois belle et dramatique et presque inéluctable, et c'est ça rend triste forcément parce que c'est la fin de l'œuvre et puis que c'est une fin qui est tellement badante. Hein. Quand tu regardes le grand terrassement, c'est absolument terrifiant. Alors d'ailleurs, cette dernière partie de l'œuvre, ces derniers chapitres-là, ils sont hyper gore, vraiment. Alors là, c'est clairement les chapitres les plus gore. En tout cas, quand je regarde ce qu'il y a eu dans l'animé, même si les animés, il y a toujours un peu de censure, mais c'est clairement les moments les plus gores de SNK, ces derniers chapitres-là, il y a vraiment des moments hard. Et le grand terrassement est terrifiant, mais est terrifiant, il glace le sang, le grand terrassement. Le grand terrassement, c'est-à-dire que tu l'imagines. Moi, je l'imaginais dans l'animé, voilà, que je sais à quoi ça ressemble, enfin, je savais à quoi ça ressemblait, c'est plein de titans colossaux qui avancent vers le monde, mais tu l'imagines. Mais se retranscrit avec une telle froideur dans les planches d'Isayama. La planche avec le bébé. Bon, quand le bébé est mis en avant par les habitants et que, enfin, par les humains, par l'humanité, et que tu vois le grand terrassement en fond. Mais si cette image te fait pas ressentir quelque chose,
t'es pas humain, quoi, clairement. Si cette image te fait pas bader, si cette image te terrifie pas, mais c'est incroyable, j'ai presque les larmes aux yeux devant cette image, très sincèrement, parce que c'est. Waouh, franchement, c'est juste fou, quoi. C'est juste un truc de fou, c'est en termes d'émotion, de symbolique, en termes d'horreur, c'est l'enfer. Et à la fin, t'as clairement plus aucune empathie pour Eren. Eren, t'as plus aucune empathie pour ce personnage. Alors ça fait depuis longtemps qu'on en avait moins. Mais alors il y a quelques moments, notamment où quand lui il a pu lire l'avenir. Donc voilà, donc ça confirme hein, quand il a touché la main d'Historia. Donc moi je savais pas s'il avait pu lire totalement l'avenir, mais oui, du coup, il a pu lire tout l'avenir. En tout cas, c'est ce qu'on nous laisse comprendre. Il a pu lire quasiment tout l'avenir. C'est terrible, c'est vraiment terrible comme perception de la chose. Ça crée un paradoxe temporel d'ailleurs. Et quand tu le vois clairement fondre en larmes devant le petit, alors je sais plus, c'est Ramzi, je crois. Parce qu'il sait que des années plus tard, je crois que c'est 2 ans après, tu sais qu'il va le piétiner. C'est juste terrible parce qu'il a pu voir cet avenir-là. Et c'est à ce moment-là qu'Eren perd son humanité hein, complètement. C'est juste dingue. Franchement, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. En fait, cette œuvre est magnifique parce que elle se boucle. La boucle se termine parfaitement bien. Alors, bref, forcément, le dernier chapitre est pas encore sorti. Donc, pour l'instant, la boucle est pas encore bouclée, mais on va dire que c'est fait à 99%. Et l'œuvre, elle est tellement cohérente. Mais en même temps, cette cohérence fait que c'est hyper froid, hyper triste, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il y a un côté vraiment. Ouais, très froid à cette fin. Et franchement, ouais, c'est terrifiant, ça fait bader. C'est magnifique. Enfin, franchement, c'est trop bien. C'est passionnant, c'est trop bien. Mais c'est trop bien fait, en fait. C'est vraiment hyper bien abouti. Je sais même pas comment un humain a pu faire cette histoire, en fait. Franchement, je sais pas comment c'est possible. Je sais pas comment un cerveau humain a pu penser à cette histoire-là. Enfin, voilà, c'était une vidéo pour vous faire part de mon ressenti et surtout une vidéo pour vous tenir au courant du coup. Il y aura évidemment des reviews sur l'anime quand ça va ressortir, ça change rien. Et je suis même ultra hypé, je suis encore plus hypé, alors je sais pas comment c'est possible, je suis encore plus hypé à l'idée de voir l'anime parce que là, moi c'était ma crainte, c'était de plus être hypé par l'anime et de me dire bon bah voilà, du coup maintenant que je sais ce qui se passe, c'est moins intéressant. Et bah je pense pas que c'est moins intéressant parce qu'au final la découverte je l'ai eue pendant des années et des années. Et là ça va être une. Ça va être pas une découverte, mais pas plus une redécouverte, quoi. Et avoir cet aspect-là est hyper intéressant aussi. Je pense que le fait de découvrir un animé en ayant lu le manga, c'est presque aussi intéressant que le découvrir pour la première fois. Ça dépend de quel point de vue on se situe, mais comme j'ai eu les deux points de vue pour cette œuvre-là, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je suis ultra hype à l'idée de voir comment ils vont représenter cette horreur dans l'animé, parce que c'est réellement horrifique. C'est réellement terrible. Donc voilà, d'ailleurs ce chapitre 138 qui se termine sur une planche hyper glauque, à l'image de l'œuvre presque, une planche hyper glauque et qui m'a pareil foutu des émotions, des frissons de fou furieux. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le dernier chapitre, mais en même temps ça me fait peur, ça m'embête. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc voilà, désolé, je dirais que j'aime pas trop spécialement faire des vidéos où je suis plein d'émotions comme ça parce que je manque d'objectivité, de recul. Je me laisse submerger par les sentiments, les émotions, donc c'est peut-être moins intéressant, je sais pas. Peut-être moins pertinent dans ce que je raconte, surtout que je suis vraiment pas rentré dans les détails du tout. Parce qu'il y a tellement à dire, mais de toute façon je rentrerai dans les détails quand ça sortira en animé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs. Pareil, je spoilerai pas du tout les animés only, je ferai bien gaffe de rien spoiler, mais avoir ce regard là de connaître ce qui a se passé, c'est juste fou. Et voilà, SNK c'est la vie. SNK c'est la vie. Et sincèrement, SNK, je peux vous dire que j'en ai vu des œuvres, mais SNK, je pense que c'est une des meilleures œuvres que j'ai vues de ma vie. Je pense aussi c'est pas la meilleure. Et je dis bien l'œuvre, c'est même pas l'animé, c'est même pas le manga, c'est même pas le film, c'est la meilleure œuvre parmi toutes les œuvres, parmi tous les films, parmi toutes les séries. Je peux vous dire que j'en ai maté. Et bah je pense bien que c'est la meilleure. Je pense bien qu'elle est top 1 ou top 2. Je sais pas ce qu'il y a devant. Je crois que c'est devant mon film préféré. Je crois que c'est devant tout. Vraiment. Après la.
là, je suis dans l'émotion d'avoir lu, mais quand je fais la rétrospective globale, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien foutu, cette connerie. Franchement, merci, Sayama, vraiment merci. Voilà, du coup, j'espère que les gens seront pas trop déçus. Pas que j'ai succombé au scan, mais là, c'était juste nécessaire. J'ai presque envie de vous dire, comme je vous l'ai dit, c'est presque l'œuvre de ma vie, donc je peux pas me permettre de prendre le risque de me faire spoil là-dessus. C'est dommage, je m'étais déjà fait spoiler des trucs et tout, et puis même quand je fais des lives, machin, c'est chiant. Donc voilà, au moins c'est fait. Je me sens presque libéré, j'ai l'impression d'avoir lu les Saintes Écritures. Bref, je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que malgré le manque d'objectivité, de recul sur la chose, puisque je viens de terminer les scans, j'espère que ça vous aura plu. Mais surtout, 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 s'il vous plaît, discutons-en en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'œuvre de manière générale. Peut-être une scène, la mort d'un perso, un événement particulier, notamment sur la fin, même ou si c'est pour discuter juste du dernier chapitre ou vos attentes sur le chapitre 139. Là, du coup, ça fait trop bizarre de me dire que je peux plus être spoil. C'est trop bien. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai trop hâte de vous lire et qu'on puisse débattre tous ensemble là-dessus. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout votre soutien, comme d'habitude. Merci beaucoup à tous et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.